Incroyable mais vrai. Introduction, pas introduction, pas d'introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur la JVTV pour Super Mario Maker cet après-midi pour 3 heures. Et bien juste avant le scale qui va être salé car encore de nouveaux records ont été battus par certains streamers qui eux font des jeux très demandés par tout le public. Ils sont montés très haut sur la sphère du stream français grâce à Yakuza, grâce à Nier Automata, grâce à des petits jeux indés qui sont streamés 24h sur 24 sur les plateformes de Gotaga, de Mister MV et de Zerator. Bien entendu, on en parlera. Le jeu indépendant Man sans fond des streamers, on en parlera évidemment dans le scale. Merci beaucoup Falloon pour l'abonnement. Aujourd'hui dans Super Mario Maker, nous allons défier le plus haut niveau du sel avec quelques tableaux super experts qui, je l'espère, pourront être terminés. Je vais voir si je suis plus à l'aise avec... Fais voir. Ouais, je crois que je suis plus à l'aise avec les écouteurs que sans. C'est bizarre parce que j'entends le son là sur les écrans, mais je suis mieux quand même avec. C'est ouf. Alors que j'ai encore ce retour. On va essayer évidemment de, comme on en a l'habitude, hein, de réussir à battre les super experts les uns après les autres. On est tellement fort pour ça. Espérons qu'on tombe pas trop sur des pangas parce que je me vois pas tryharder pendant 3 heures. Sinon vous n'allez pas être content. Puisque les streamers se doivent d'avoir un niveau de jeu exceptionnel dès le début. Bon, va falloir que je me chauffe un peu parce que c'est autre chose de toucher une manette que de toucher une putain de souris. Vilain intrusion. Intrusion dans un château. Ok. Wouah. Parfait. Ok. Faut que je le prenne un tout petit peu plus tard. Et ça serait bien si éventuellement... Tu vois, je prenais pas les dégâts d'entrée de jeu, quoi. Enfin, ça serait bien. Après... Easy. On me redonne un champignon. Allez, il va être simple, ce niveau va être simple, je le sens. Je suis sûr qu'on en avait besoin. Oui, oui. Ok, tout ça pour passer convenablement et tout perdre. Je descends. Impeccable. Après, c'est difficilement envisageable que ça allait me tomber sur la gueule, ça. Bon, déjà, garde ton power-up, ce sera bien. Voilà. Très facile de garder son power-up. C'est Ganondorf, hein. C'est bien lui. Impeccable. Je vais juste faire tirer ça, là. Hop. Non. Je sais pas pourquoi ça me... Mais what? Attention. Tortue. Attention à la tortue. La tortue est vraiment chiante à éviter là pour le coup. Bon, ça c'est easy. On n'a pas de vrille, hein. On n'est pas... Oh là là, mais bordel, mais se faire avoir trois fois par la même attaque, c'est quand même terrible. Non. Putain, la tortue, jamais j'ai réussi à la passer de toute mon histoire. Jamais j'ai réussi à la passer, la tortue, de toute l'histoire. Le coup à volant, impossible. C'est le mob le plus fort du jeu, je pense. Hop, je tue. On va essayer de pas se faire prendre par ça. Voilà, normalement c'est comme ça que ça devrait être. Ici, je tombe. Impeccable, le coup a fait de la merde. Nickel, je passe en dessous. C'est pourtant ultra simple. Passe ici. J'évite de prendre la boule. Je monte. Passe là, passe ici. Pour le moment, tout ça est d'une simplicité déconcertante.
Pourquoi est-ce que j'ai pas appuyé? Non, mais non! Mais non! N'importe quoi. Trop loin? Trop loin, évidemment. On y retourne. Bon, je suis passé déjà un cran après. Ça sert pas à grand chose de détruire ça pour vous dire la vérité. Je ne veux pas me la bouffer, merci. Donc là, elle, elle passe là. Moi, je passe au-dessus. Très bien. En dessous, impeccable. Ici, ici, nickel. Il n'y a pas de boule de feu. Parfait. On passe là. Là, bien entendu. Je suis 12 fois dessus. Je suis 12 fois dessus. 12 fois. J'ai quand même réussi à me faire toucher par ça. Tout va bien se passer. Il suffit juste que je reprenne un tout petit peu le jeu en main. Et on est bien. Nickel. Non mais... Cancer. Ok, donc il y a ça là. Wow, il m'a fait peur là. Great. Nickel. T'as qu'à remonter si tu veux. Je descends là. Allez, tortue de merde. Je passe en dessous. Impeccable. Ça, je passe en dessous. Nickel. Là, je me fais pas toucher par ça. Impeccable. La montée est facile. Là, je pourrais même accélérer la cadence. Mais non! Punaise, mais c'est pas possible ça aussi. Et faut pas que j'oublie qu'il y a des trucs qui me tombent sur la gueule. Hein. Tout va bien se passer. Mais ce passage là, easy. Bon, je suis mort 30 fois, mais j'avais pas ma manette, tout ça. Enfin, vous avez compris. Ok. Ok. Je sais pas comment je suis passé, un miracle. Écoutez. Ah, putain. Je vais essayer de pas réfléchir et de foncer. A mon avis, ça va être la meilleure façon de détruire le stage. Je vais pas détruire, je vais foncer et ça devrait aller. Sans réfléchir, en allant juste vite. Gonna be fast. Je déteste les boules de feu. Fous-moi la paix. On note l'incroyable rapidité du streamer. Tortue, impeccable. Boule de feu, impeccable. J'ai bou... Non zéro pointé. Y'a rien à sauver. Putain, mais le jeu me donne 40 champignons. Et j'ai déjà perdu 10 vies. Incroyable. Je dépasse les limites dans la nullité. C'est exactement ce que je voulais faire. Parfait. Retombe, retombe. Remonte, remonte, remonte. Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Voilà, donc là. Non! Le Hammer Brother. The Hammer Brother. The motherfucking Hammer Brother. Mais d'où il est ce Hammer Brother? D'où tu me touches déjà? Ah, le charisme de Ganondorf. D'où le Hammer Brother? Il me fait ça. C'est pas un vrai frère.
Non mais casse-toi. Sincèrement. Sincèrement, va-t'en. Voilà, c'est ça, fais ça. Impeccable. Ah, il m'a quand même touché, bâtard. Non mais... Ce jeu ne m'énerve pas, c'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est que ce jeu ne m'énerve pas. Il m'a spammé de hammer toute sa life. Le spam hammer. Je réclame réparation. Cassé, cassé. Concassé. Casse-toi. Lui, il fla, moi je fla. Lui, il fla, moi je fla. Impeccable. C'est très bien. Non. C'est une putain de blague. Douge. Ah, ça passe là, easy. Casse-toi. Mais qu'est-ce que je fais là-haut? Je descends. Ma vie est un bonheur sans nom. Mais où est-ce qu'il faut aller? Notez que c'est pas évident. Notez que la direction à prendre n'est pas la plus évidente. Oh là, ça ressemble à un niveau de Konshiba, quoi. Comme premier niveau, c'est pas ouf. Descends, c'est ça. Hop, hop, je passe au-dessus. Je passe au-dessus. Voilà, je me suis fait bien baiser la gueule. Et là, je suis mort. Putain, mais je le prends pas, le truc. Je rêve, quoi. Incapable de rebondir sur le truc. Le niveau absolu du néant. Moi, ça c'est fait. C'est impossible d'être aussi nul. Putain là, j'ai géré de ouf. J'ai géré. Ah! C'est là-haut que je veux aller, moi. Ça se voit, non? Les Hammer Brothers. Monte le Hammer Brother. Je le baise. Vas-y, descends qu'on discute. Viens bâtard. Allez, viens, tu peux le faire. Fra. Enfin, c'est bien à gauche qu'il faut aller, mais c'est ouf. C'est bien le bon endroit, ça. Ah, ça, c'est bien.
Because I trust my life. Je sais pas si t'as eu la grimace. Ok, tout va bien. Quelqu'un a vu? J'ai entendu giling giling. Ok. Je suis baisé? Oh, je kiffe. Oh, je suis en kiff là. Juste en kiff là. Là, je suis en train de kiffer. T'as pas idée, toi, chez toi? Toi, chez toi qui regarde ce stream, t'as pas idée comme je viens de kiffer le fait que je dois me taper l'aller-retour. Et qu'en plus, je me suis baisé l'item ici. Oh là, ça sent la boule de feu. Oh, ça sent la boule de feu, la sale boule de feu. Oh, ça. Oh, je la sens grosse comme une maison. Oh, je vais tellement la bouffer. Zéro frame. Oh, je vais tellement la bouffer, zéro frame. Oh là là, ça va être. Oh, mon kiff va être tellement grand. Voilà. Le kiff est grand. Le kiff est grand, gigantesque. Je me suis pris la boule de feu. Zéro frame. Ça va pas rater, hein. Incroyable, hein. Tellement de skills qu'il arrive à prédire ce qui va se passer à l'avance. C'est fou, cet homme est fou. Stoppez-le. Parfait. C'est pile poil ce qu'il fallait pour mourir. Vous n'imaginez pas comme je suis en joie. Là, il y a une vie. Ah, je pourrais récupérer ça là, mais... C'est tellement dans la trajectoire. Le podcast de qualité, bien entendu. On s'en fout, de toute façon, il y a de quoi récupérer là. Mais oui, il y a de quoi récupérer là. Allez, on va attirer l'étoile jusqu'au bout. Back! Il n'y a pas un flat? Pas de flat. Faut rester gros là, sinon c'est compliqué. Sinon c'est compliqué. C'est un stage simple, hein. C'est un bon stage pour démarrer. C'est pas le... Ça demande pas un niveau d'exé extrême, hein, mais juste une bonne assurance vie. Non mais faut être un peu plus sûr de soi que je le suis. J'ai perdu confiance en moi depuis que j'ai tiré la mauvaise carte à Shadowverse. Faut bien l'avouer. Non. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Non, c'est ça que je voulais faire. C'est à peu près pareil. Si tu regardes bien. On l'accélère! En espérant que... Boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu. Boule de feu. Boule de feu, 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 boule de feu. Boule de feu. Thank you.
Je comprends pas. Non, sincèrement, Yamelo, Yamete. On fait comment? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai couru tout droit. J'ai cru en la vie. Et c'est passé. Putain, on a mis que 14 vues pour le premier, tout va bien. Fun troll level. Bon, je pense qu'il faut juste choisir les bons chemins. Du fun. Vous voyez le fun, ce que c'est? Bah, c'est ça. Ah, J'en étais sûr. Donc, la bonne réponse, c'est ça. Mais y'en a combien de tes trucs aussi là? Je suis sûr que si je saute là-bas, je me fais sécher. Là, y avait pas de piège. Ce qui est étrange, mais y a pas de piège. Ok. En tout cas, tant que ça reste comme ça, c'est entre guillemets plutôt simple. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Imaginez un truc qui peut casser les couilles. On fait quoi là? Ah, si j'appuie sur ça, il n'apparaîtra pas plus de trucs, hein. Bon, au moins je sais comment passer du coup. C'est bon, j'ai tout. Facile, tu fais ça. Là tu cours. Saut. Genre j'ai sauté trop haut. Pour te couper. Pour arriver. Mur invisible. Fais comme ça. C'est un peu comme sur la JVTV, il faut faire confiance à personne, je pense. C'est bon, je crois que je sais. Tout ce que tu penses être bon, c'est faux. Je vais y arriver. Pourquoi t'accélères pas plus vite? Ok, donc là il doit y avoir un bloc à la con.
LOL. RELOL. RELOL. Donc, on est d'accord que il m'indique d'aller ici. Et que le drapeau de moitié de niveau est juste après un tuyau. Je fais confiance. J'ai bien fait de faire confiance, vous voyez. On y croit. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors c'est plus un niveau où il faut réfléchir. Hein. Tu vois, il sourit. Arrête, bâtard! Ah, le bâtard! Bâtard de jeu! Ah, le sale bâtard de jeu! Qu'est-ce que c'est que ça? Et d'accord que j'ai pas assez pour... Ah, j'en ai un. C'est bon, je l'ai. Ok, on passe par en haut. Donc, maintenant. Là, c'est la mort. Allez! Dégueulasse. Bon, au moins quand tu sais c'est facile de traverser. Je l'ai. La confiance. Ah 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 ah. Je voulais juste voir. Je suis tombé comme une merde. Waouh, mais je le connais ce stage. Je le connais. Je le connais. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu Orator le faire. J'ai déjà vu Orator le faire. Je m'en souviens plus à la perfection, mais j'ai déjà vu.
Non, c'est bon, attendez. Faut que je me rappelle de commencer. Là, il y a un truc avec une bombe qui va sortir. Normalement, il y a un timing parfait pour baiser la bombe. C'est un peu chaud ici. Dès que je vais... Je me souviens plus exactement. Je crois qu'il faut que je passe le champignon au-dessus, là. Comme ça. Ensuite, il arrive là. Il est lent, mais il arrive. C'est méga chiant. Là, je grossis. En fait, la fin, vous voyez le tompe. Le tompe, c'est lui qui a la fin du niveau. Je sais que c'est ça. Il faut que je détruise avec je sais pas quoi. Bon là, j'ai perdu. Attends, mais j'ai perdu, mais je peux pas mourir. Si je fais tout recommencer, je vais devoir tout recommencer. Je suis baisé. Ah, mais comment il fallait faire? Je me souviens plus. Je recommence tout. Voilà. Je sais que la transformation me permet de détruire le truc, mais c'est le... C'est pas grave. On recommence tout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, il y a 30 baisses sur 1000. Voilà. Ok. Très bien, il est content. Bon, je vais reprendre le point de sauvegarde. Je le connais ce niveau, je le connais. J'ai déjà vu. Ensuite, on monte. Je fais ça, là faut pas s'exciter, mais faut quand même s'exciter. Là faut sauter, là faut pas prendre ça, ça sert absolument à rien. On monte jusque là-haut. Parfait. On active le P-switch et on monte. Ça permet d'activer ça. Ensuite, donc, je me retrouve blocked ici. Dans un premier temps, on fait ça. Ensuite, lui, je le passe. Je grossis. Ce qui me permet de détruire le truc. Et là, il y a une bombombe. Parce que si je vais dans le tuyau, je vais mourir. Donc, je détruis ça. La fin elle est là, mais je sais pas comment la voir. Elle est là la fin. Ensuite. Ok, là c'est la mort. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Faut que je retrouve ce qu'il faut faire. Mais voyez l'idée. L'idée elle est là. C'est de pas se fier trop à ses yeux. Bon, ça, ça va. Ça, le. Ça, ça sert à... Si tu le prends, t'es mort. Faut pas prendre ça. Je suis quasiment sûr qu'il faut pas le prendre. Il y a un tuyau au-dessus. Il y a peut-être un tuyau au-dessus, ouais. Je vais vérifier. D'abord, on refait ça. Même si je passe à fond ici, ce sera trop tard. Et là, je peux rien soulever d'intéressant.
Faut que j'active mon sixième sens, ouais. Attends la fin de l'étoile et saute sur la chenille. Mais le truc qui me fait chier, c'est que la fin du niveau, elle est là, là. Elle est sur lui, là. Même si je saute sur la chenille, je crois que je suis baisé. Faut pas récupérer la fleur. En fait, faut que j'arrive à détruire. Faut que j'arrive à détruire le petit bloc. Il y a un petit bloc qui se trouve juste au-dessus du comment ? Merde, du chon. C'est ça qu'il faut que j'arrive à détruire. Juste en dessous du chon, il y a un bloc de briques. Et c'est ce qu'il faut que je détruise, c'est sûr. Parce que la fin, elle est là-haut. On voit, c'est le bout du niveau. Merde, trop tôt. Je flafle à la concentration, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je le sens venir en moi, l'âme de ce stage troll. J'ai perdu beaucoup trop de vie quand même, pour rien. Sachant que c'est pas spécialement difficile, c'est juste méga trollesque. Okay. Bon, ça j'ai bon. Là, la plante, elle est juste là pour te troller, elle sert à rien. Ensuite, ici, la bonne manœuvre, c'est bien ça, ça, ça. Et après, il me faudrait un P-switch. Tomber dans le trou là. Ça c'est de la merde, faut pas y aller. Je crois qu'il faut pas y aller. C'est de la merde ça. C'est de la merde. Il y a marqué quoi? The end. Ah, c'est la fin quelque part. Faut pas y aller. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas ça qu'il faut faire. Je vous dis, je sais exactement où est la fin. Faut juste que je trouve un P-switch à activer. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un P-switch? Là, ça c'est un P-switch quelque part. Ça ferait de prendre la fleur là. Parce que je peux toujours prendre la fleur. Si je prends la fleur, j'ai eu la bad ending, c'est ça. C'est ça. Bon, attendez, je crois que je pense qu'il y a un truc avec le gros machin. C'est incompréhensible ce que je suis en train de raconter. Je pense qu'il y a un truc avec le gros machin. Attendez. Ça se trouve c'est plus simple que je ne le pense. On va grossir. Faire ça. Et on va faire ça. Non, je voulais pas le tuer.
mais comment j'ai fait pour le tuer? Je voulais pas le tuer. Ah, Prométhée, je comprends rien de ce que tu dis, t'écris trop en abrégé. Elle est là, la fin, ici, là. Ici, bordel. Elle est là, c'est là, là. Là, je suis sûr, elle est là. Tu vois, ici, là, c'est la fin. Elle est sur son truc, faut juste le descendre d'un bloc. Et pour ça, il me faut un P-Switch. Mais je ne peux rien prendre, je suis dans Super Mario Bros. 1. Pauvre poisson, j'avoue. Non mais c'est le poisson. Ah, faut pas prendre ça, c'est sûr, faut pas prendre ça. Je peux sauter assez haut. Bon, on va essayer pour la science, attendez. Pour la science, hein. J'étais sûr que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais pour la science, j'ai essayé, juste pour vous montrer. Juste comme ça, vous me dites... vous me cassez pas les pieds, vous me croyez. C'était pour la science. La mort pour la science. Putain, c'est incroyable, j'ai déjà fait le... Enfin, je le connais, le sac. C'est incroyable que même si je le connais, j'en ai pas retenu la fin. Mémoire de poisson rouge. Allez, y a pas de problème, c'est bien comme ça qu'on fait. C'est comme ça, c'est sûr, c'est comme ça. Je suis puni. La science, c'est... Bah oui, la science. Ok. Bon, déjà, on va vérifier... On va vérifier ce que ça fait de laisser le poisson en vie. Déjà. Après, je sais pas si je peux sauter. Non, je pense pas que je peux te sauter tout ça sans me faire... sans mourir. On va déjà essayer ça. Déjà, faisons ça. Et ensuite, faisons ça. Il me baise. Et là, à mon avis, il va appuyer sur un truc, non? Ah ouais, il appuie sur rien. Mais où il est le P-Switch? Ah, ça me rend fou! Mais on peut pas prendre le P-Switch chez Mario Bros 1. Non, c'est Mario Bros 1, les gars. On ne peut pas prendre d'objet dans Mario Bros 1. Choqué. Ça sert à rien, le truc là, il sert à rien du tout. Ah, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que là, après, c'est mort. Attendez, on va voir. Ah, il réapparaît plus, hein. Attendez, je vais m'éloigner et puis je vais revenir. C'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire.
C'est ça qu'il faut faire. Juste, je me suis... j'aurais pas dû prendre cette pièce-là. C'est bon, je l'ai. Non, la fleur, tu peux pas la prendre, c'est un troll. C'est ça qu'il faut faire. Faut revenir. Je le sens. Je sens que c'est ça. Faut prendre la pièce là. Pas prendre les autres pièces. Non, faut prendre aucune pièce. Ah, je suis baisé. Non, faut prendre aucune pièce. Là, le P-Switch revient. Et là, je suis baisé. Mais en gros, l'idée, on va essayer. Hein. Tu vois, passer par au-dessus là. Tu vois, tu fais ça. Et là, du coup, comme t'as plus le truc à exploser, t'as le temps d'aller jusque là-bas. Aucune... Je l'ai. Ouais, fallait en prendre 0. Fallait en prendre 0. Comme moi. C'est bon, mais je l'ai, je l'ai. Je vais y arriver. Après, ça va demander un petit skill à la fin. Ça devrait aller, je pense. J'aime bien les stages à énigmes comme ça. Voilà, j'en prends aucun. Parfait. Comment je descends si j'en prends aucun? Mais je peux pas descendre. Mais si, il faut bien que j'en prenne un. Mais je peux pas descendre. Mais même si je prends le deuxième, comment est-ce que je remonte après? Si je prends le deuxième, comment? Je le prends comment? Je suis dans le vide, je peux pas prendre le deuxième. Non, le dernier, le P-Switch, il sort pas. Même si je prends le deuxième, je suis obligé de tomber. Si je tombe, je meurs. Et je peux pas remonter si je tombe. Et après, y a pas de chemin. Bah le projet, je vous explique. Vous avez vu là le chomp, bah, je vais vous le montrer. Il y a un chomp là-bas. Vous voyez? Celui qui bouffe là. Ce chomp, il est sur un mur de briques comme ça. Et si ce mur de briques est cassé, enfin ou détruit au moment où j'arrive sur le chomp, il descend d'un cran. Et s'il descend d'un cran, eh bien ça me permet de toucher le drapeau de fin. Drapeau de fin qui se trouve là, là, en dessous. Il est là le drapeau de fin. Il est là. Ah, c'est même pas une histoire de skill, y a pas de skill dans le stage. Il faut essayer de se mettre à la place du... De l'homme. De l'homme qui a créé le stage. Comment est-ce que je peux faire des allers-retours avec le haut là? Ça m'en fout.
Là, il n'y a rien, pas de bloc invisible. Là non plus. Je prends le deuxième. Mais je peux pas redescendre par la plante si je prends le deuxième. C'est, je ne peux pas. Dès que je prends la deuxième pièce, il y a un tapis. Il y a un tapis de plantes ici. Donc c'est mort. Mais si je prends la deuxième, les fleurs sont tombées de toute façon, c'est mort. Je peux pas prendre la deuxième sans tomber. C'est pas possible. Vous voyez bien que les fleurs me tombent sur la gueule. Ouais, mais si je prends pas une des pièces, je peux pas redescendre parce que je peux pas descendre les nuages là. Prendre l'étoile et remonter le tuyau. Y a pas de bloc invisible ici. Est-ce que je peux remonter le tuyau après l'étoile? Putain, mais je l'ai vu en plus être terminé ce stage, ça me rend fou. Mais quand bien même, ça m'active pas le P-Switch. On va essayer de remonter, mais je pense que c'est trop. Je remonte. Je vire lui. Tu vois, ça me résout pas le problème. Ça résout pas le problème que j'ai pas fait descendre ça. Merde. J'ai rien compris à tout le monde. Tout le monde est en train de fondre. Le cerveau des viewers, ils sont en train de fondre. Mes pauvres. Putain, mais ça m'énerve parce que je l'ai vu être terminé ce stage. Ah, c'est encore plus frustrant de pas se souvenir la méthode. Là je fonce, hein. J'ai fait tout ce que je peux, mais je peux pas être arrivé à temps ici, c'est pas possible. Non, la porte verte après la chenille, c'est de la merde. Est-ce que... Il me semblait qu'il y avait une bombe. Je vais essayer un truc. Ah voilà. Gagné. Aïe 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 aïe. La feinte, hein. Sale stage. Sale stage.
Ah, il y avait bien un bloc invisible ici. Je vous avais dit que la fin était là, je vous avais dit que je l'avais déjà vu être terminé ce stage. Je le connaissais. T'as, je le connaissais, mais je m'en souvenais plus du tout. Ah là là. T'as, je suis dégoûté d'avoir perdu autant de vie là-dessus parce que. Je me suis pr... En fait, je me suis compliqué pour rien. Mais après, fallait prendre le truc. Descendre, remonter, machin. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Deux stages. Fun troll. Ben oui, quelque part, c'est un peu fun. Moi, je mets une étoile. C'est un stage troll, un peu débilose du cul. Mais à la fin, il y a quand même une véritable énigme. Bon, une énigme trollesse parce qu'il faut trouver des blocs invisibles. Mais quelque part, l'ensemble des possibilités est quand même assez réduite. Donc c'est pas mal. Allez, petite pause et on se retrouve après pour la suite de Super Mario Maker. On va tout casser. C'est cramé. 20 minutes, putain. 20 minutes. Terrible.